je tiens place par moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va juste attendre quelques secondes. Nous attendons juste M. Gorky Doudou Cissé qui va nous rejoindre d'un moment à un autre. Allô, monsieur Cissé? Oui, bonsoir, monsieur Ning. Comment allez-vous? Oui, comment allez-vous? Ça va, c'est un plaisir. Vous m'entendez très bien? Oui, très bien. Et de votre côté? Oui, très bien, oui, je vous entends très bien. Alors, donc, on ne va pas tarder, on va commencer, je pense. Oui. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Hein. Donc, très rapidement, hein, donc je vais me présenter. Je suis Amat Ning. Je suis en charge de la communication et du développement de Telma. Donc, très rapidement, je vais parler de Telma. Telma, en fait, c'est une business school spécialisée dans les métiers du management de l'hôtellerie, du tourisme,
de la mode, du luxe, de l'immobilier. Donc aujourd'hui, nous proposons en fait 4 bachelors et un MBA. Nous avons également un MBA en management de l'hôtellerie-restauration. Telma existe maintenant depuis 5 ans. Hein, Telma fait partie du groupe de BEM Dakar. Et on est situé donc aux Almadies, hein, sur la corniche des Almadies plus exactement. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir M. Gorodou Tissé. Hein, c'est vraiment un plaisir de le recevoir aujourd'hui, donc consultant en marketing communication, qui est également un modèle comme vous le savez, et surtout un acteur, hein, plus connu sur, voilà, exactement, également, hein, donc par son rôle dans Maîtresse de nos mariés. Monsieur Cissé est intervenant également à Telma. Donc aujourd'hui, il va nous parler en fait de l'entrepreneuriat dans la mode, hein, et notamment des perspectives d'emploi. Je pense que c'est un sujet, hein, d'actualité qui peut intéresser à la fois nos étudiants, hein, les personnes également donc qui seront appelées demain à entreprendre dans la mode. Mais c'est également un sujet qui intéresse aujourd'hui les professionnels de la mode. Voilà, donc sans pour autant tarder, Monsieur Cissé, je vais vous laisser la parole. Hein, je vais vous laisser dérouler votre exposé. Et donc, si bon, il y aura certainement, et j'en suis même sûr et certain, qu'il y aura des questions. Hein, vous pourrez répondre aux questions qui vous seront également posées. Merci beaucoup. Donc, voilà, Monsieur Nin, merci pour la présentation. Merci cette introduction par rapport à Telma et son activité dans notre cher pays. Je suis très fier déjà de faire ce live, sachant que je suis un pur produit de Business School. Donc, voilà. Et aujourd'hui, étant intervenant à Telma, c'est un réel plaisir de rencontrer toutes ces sommités dans les divers domaines, justement du management du luxe, du management hôtelier, du management de la mode en même temps. Donc, par rapport au thème qu'on est supposé aborder aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte déjà, c'est différents aspects. Parce que déjà, la mode, c'est un domaine extrêmement vaste. Beaucoup de gens n'ont pas une vision claire de l'ampleur de ce secteur d'activité. Ça, il faut. C'est un secteur d'activité extrêmement vaste qui regroupe divers segments, qui est aussi soumis à différents codes. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, ce n'est pas justement de voir cet aspect qui touche au style, à la tendance, aux couleurs, aux coupes et aux formes ou aux tissus, c'est-à-dire la mode en tant que telle dans sa partie visuelle, visible, disons. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, la mode, c'est ça. C'est d'abord du visuel, c'est du visuel, ça fait appel à des matières et ça fait appel à des formes qui sont perceptibles et qui peuvent toucher la sensibilité ou accrocher certaines personnes par rapport à leur goût et aux couleurs auxquelles ils répondent. Voilà. D'accord. Une définition comme ça. Parce que bon, on peut avoir différentes définitions de la mode, on peut expliquer la mode de multiples façons par rapport au genre, par rapport aux tendances, par rapport à l'environnement. Mais D'accord. Il faut juste savoir que par la mode, ils se définissent, mais ils aident aussi d'autres personnes à définir leur personnalité stylistique, vestimentaire. Déjà. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'on peut déjà appeler entreprendre dans le secteur de la mode? Dans la mode, oui, effectivement. Voilà. Quand on vous parle d'entreprendre dans le secteur de la mode, les gens ont tout de suite tendance à penser entrepreneuriat, des jeunes qui veulent créer leur propre marque, lancer une ligne de vêtements, développer tout un branding par rapport à un concept vestimentaire, que ce soit classique, tradit moderne, africain, sportswear ou autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que entreprendre dans le secteur de la mode fait appel à l'action. Quand vous décidez d'entreprendre, c'est que vous êtes dans l'action. Donc, pas statique.
vous n'êtes pas aussi cantonné à certaines limites, disons. Donc, entreprendre, c'est déjà agir, se lever, être, enfin, faire quelque chose. Et maintenant, quand d'agir, quand vous décidez d'impacter par rapport à justement au secteur de la mode, il faut prendre en compte quelque chose de très important. Et c'est d'abord quoi? C'est l'adapter à un contexte. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, vous pouvez l'évaluer à deux niveaux. Deux, en général. D'accord. Si on veut vraiment parler pour que tout le monde puisse nous comprendre et qu'on ne rentre pas vraiment dans les aspects techniques, on peut l'évaluer à deux niveaux. C'est-à-dire, vous allez contextualiser par rapport à votre personne, c'est-à-dire la personne qui décide d'entreprendre. D'accord. Et vous allez contextualiser par rapport à un environnement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. D'accord. Voilà. Ce sont les deux aspects principaux. Maintenant, avant de parler de l'environnement, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà identifier la typologie, le profil même de la personne qui décide d'entreprendre dans le secteur de la mode. Je salue déjà au passage Monsieur Tidjanlo, qui fait un travail exceptionnel pour vulgariser le travail des créateurs sénégalais et africains en général à travers ce D'accord. concept de live qui s'appelle Juice and Fashion. Il vient de rejoindre notre live. Et voilà. Parfait. Donc déjà, ce que je disais, c'est qu'il faut d'abord dresser le profil de la personne qui décide d'entreprendre dans le secteur de la mode. Aujourd'hui, cette personne doit d'abord et avant tout D'accord. être passionnée. On ne peut pas évoluer aujourd'hui dans le secteur de la mode, peu importe la branche, le sous-segment, la catégorie qu'on vise, le type de métier spécifique qu'on vise sans être un passionné. Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle cette passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va prendre un petit exemple. Quand on dit passion, D'accord. les caractéristiques qui collent à ça sont vraiment nombreuses. Aujourd'hui, vous allez avoir, par exemple, quelqu'un comme vous, Monsieur Ning, manager, marketeur, qui vraiment travaille dans les domaines du management et vous savez vulgariser D'accord. tout ce qui touche à la mode et surtout au en général. Mais vous n'êtes pas créateur de mode, vous n'êtes pas styliste, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, disons, maître dans ce qui est conception de tendance, choix de coloris et autre chose. Mais vous savez D'accord. du goût, admettons, vous avez du goût. D'accord. On vous complimente toujours parce que vous savez vous habiller, vous vous y connaissez en mode, vous êtes vraiment à la page, comme on dit. Mais derrière, vous avez une passion. Vous dites que vous êtes vraiment à même de pouvoir proposer votre style vestimentaire, parce que c'est ce qui nous caractérise. Chaque personne a son propre style vestimentaire. Même si on suit les modes et les tendances, nous avons notre style vestimentaire. Un style vestimentaire éternel, alors qu'une mode peut faire 3 ans, 2 ans, 3 ans, et voilà, les tendances peuvent être même beaucoup plus courtes. Maintenant, D'accord. quelqu'un comme Monsieur Nini, par exemple, qui a D'accord. qui travaille, mais qui est passionné de mode, qui est toujours complimenté par rapport à son style vestimentaire. Ce monsieur Ning-là, en décidant Oui. d'entreprendre dans le domaine de la mode, ce qu'il cherche réellement, c'est une reconversion ou une évolution D'accord. de ses compétences. D'accord, je vois, ouais. Une reconversion ou une évolution de ses compétences. Parce que ce Et qu'il faut qu'est-ce que vous savoir, entendez par reconversion? une reconversion, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont entrepreneurs dans le domaine de la mode travaillent dans d'autres secteurs d'activité. D'accord. Voilà, travaillent dans d'autres secteurs Exact. pour la sécurité de l'emploi ou bien un bon positionnement financier ou autre chose, mais travaillent pour la plupart dans un autre secteur d'activité. Et en D'accord. fait, prennent la mode comme une façon d'exprimer leur passion tout en gagnant de l'argent. Je vois, d'accord. Maintenant, dans ce même carton, vous avez, comme je vous le disais tout de suite, ceux qui veulent se reconvertir, mais ceux qui veulent faire évoluer leurs compétences. C'est-à-dire que vous avez des personnes D'accord. aujourd'hui
qui ont un savoir-faire, qui ont une formation qui leur permet de manager des équipes, de développer n'importe quel business, qu'il soit axé restauration, hôtellerie, mode, automobile, immobilier, parce qu'ils ont des compétences en management. Mais derrière, eux aussi, il leur manque quelque chose. Ce qui nous amène au deuxième point qui caractérise toute personne voulant entreprendre dans le secteur de la mode. Et ce deuxième point, justement, hormis le cadre de la passion, c'est le savoir. L'apprentissage. S'intéresser au sujet, se documenter. Donc, il faut que la personne soit non seulement passionnée, mais il faut que la personne soit... Et dans cette curiosité, déjà, naît beaucoup de branches de la mode qui sont peut-être peu connues. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dès l'instant où on parle de passion, la passion est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est de mode et ne pas forcément maîtriser les codes de la mode. Tout le monde, aujourd'hui, peut être passionné de mode et ne pas réellement savoir mettre un nom ou catégoriser un style vestimentaire. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Ils vont juste dire, excusez-moi, waouh, Meli, Rafet Nadeh, c'est très beau, nice, non, beau de l'homme, à couleur B. C'est-à-dire que si vous prenez telle couleur, vous l'agencez avec telle couleur, ça va bien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce don inné de pouvoir agencer des couleurs, de pouvoir combiner des styles et que ça passe. Mais ils ne peuvent pas mettre des termes techniques exacts pour définir ce qu'ils font. Vous comprenez ? Maintenant, oui, bien sûr. Dans ce cadre-là, quand on parle de recherche, d'information, de documentation, ça veut dire donc qu'on fait appel à un autre caractère humain qu'on appelle la curiosité. Donc, il faut déjà être patient, être curieux. Curieux, comment ? En essayant de déjà maîtriser l'histoire de la mode. Elle est vaste. L'histoire de la mode est très vaste. D'accord. Et il faut la maîtriser. Il faut maîtriser l'actualité de la mode. Il faut aujourd'hui, quand on parle d'un cadre strictement web, maîtriser tous les liens, tous les forums, tous les réseaux ou les sites officiels, des bureaux de style, des bureaux de tendance, des associations professionnelles qui touchent à la mode suivre aussi les pages des différents magazines de mode à travers le monde, histoire d'être bien informé sur ce qui se fait un peu partout. Mais bon, là, nous sommes dans le contexte du Sénégal, donc on revient un peu ici. Donc, après le deuxième trait de caractère, qui est la curiosité, il faut comprendre que cette personne doit avoir un troisième trait de caractère. Dans la définition du profil même de l'entrepreneur mode. Cette personne doit avoir un troisième trait de caractère qui est la détermination. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle de détermination, c'est quoi ? Comprendre au Sénégal, avec ma toute petite expérience, disons, parce que ça fait à peu près 12 ans que j'évolue dans ce secteur, on remarque souvent beaucoup de jeunes marques qui se lancent, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui arrivent à créer une collection, à lancer une marque de sportswear, mais leur marque en général n'existe pas. Elle n'existe pas plus d'un an. Et quand je vous dis un an, c'est vraiment pour les personnes les plus chanceuses, disons, et accompagnées. Mais en général, les marques ne vivent pas plus de 6 mois. Elles se créent, se lancent, elles ont une première collection, la deuxième ne passe pas, la troisième, on les a oubliées. Voilà. Mais ça, donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut être déterminé. Déterminé, tout à fait. Déterminé. Ça, c'est un troisième trait de caractère de l'entrepreneur qui veut évoluer dans le secteur de la mode. Donc, après la passion, après la curiosité, après la détermination qu'il faut dans ce secteur, cette personne, on peut dire un homme, une femme, de tout âge, de tout âge, pas d'âge pour évoluer dans le secteur de la mode. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Voilà. Il faut que cette personne ait un état d'esprit très ouvert. Il faut que cette personne puisse être à même de ne pas être figée dans un moule.
Parce que ce qu'il faut comprendre derrière aussi, c'est que aujourd'hui, au Sénégal, la tendance veut que la clientèle soit très versatile en termes de choix vestimentaire. Et ça va nous mener à d'autres points. Donc maintenant qu'on a, bien sûr, le type même du profil de la personne qui veut évoluer dans le domaine de la mode, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que entreprendre dans le secteur de la mode fait appel à des procédures. Ces procédures-là, Oui. bon, on peut dire qu'elles sont simples, mais elles peuvent être très compliquées. D'accord, je vois. Premièrement, quand on va entreprendre dans le domaine de la mode, il faut déjà savoir se fixer des objectifs clairs. Mais comment on se fixe des objectifs? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas comment fixer des objectifs. Mmh, c'est vrai, tout à fait vrai. On va, par exemple, vous allez voir une personne se réveiller, dire, je vais créer ma marque que je vais appeler Gorgui. Admettons, je crée ma marque, je l'appelle Gorgui. Je veux qu'au bout d'un an, je sois le plus grand créateur de mode du Sénégal, que je fasse au moins la Fashion Week d'Adama Paris, que je participe, par exemple, à un peu défilés internationaux déjà dans la sous-région, et peut-être bien dans 2 ans que je fasse la Fashion Week de New York en tant qu'invité, ou bien que je fasse le Labo Ethnique de Paris, ce genre de choses. Et ça, c'est pour les personnes vraiment au fait de la mode. Maintenant, vous aurez d'autres personnes qui vont dire, moi, je veux juste vendre. Je vais entreprendre dans le domaine de la mode. Je vais faire mes collections. Chaque mois, je vais publier mes collections sur le net. Je vais essayer de vendre. Si j'arrive à me faire ça par mois, je suis bien. Mais tout ça, ce n'est pas se définir des objectifs. Bien sûr, on peut appeler ça des objectifs, mais ce n'est pas se définir des objectifs. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes dans le domaine de la mode voient justement leurs rêves tomber à l'eau. Et c'est ce qui fait que quand on n'est pas déterminé, on n'arrive pas à rebondir après. Tout à fait, effectivement, effectivement. Et déjà, pour se fixer des objectifs, comme je disais, il faut faire déjà une étude, une évaluation de ses compétences. Une évaluation de ses compétences. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre par exemple un entrepreneur type qui décide de se lancer. Aujourd'hui, il va se poser. On va dire que Monsieur Ning est là. Monsieur Ning est manager. Ou bien Monsieur Ning est étudiant. Ou bien Monsieur Ning est juste voilà, une personne désireuse de lancer un business, donc un entrepreneur débutant. Ning a une très bonne connaissance de tout ce qui est mode africaine, sénégalaise. Donc, il aura une tendance à se porter vers ce type de vêtements. D'accord, je vois. Derrière, quelles sont les opportunités qui se posent en face de Monsieur Ning? Ces opportunités sont lesquelles? Un marché sénégalais où la demande est toujours supérieure à l'offre, ça il faut le dire. C'est vrai. La demande aujourd'hui en termes de vestimentaire au Sénégal, malgré la conjoncture, malgré tout ce qui se passe comme souci, comme problème, malgré les importations de produits européens et autres, la demande en termes de produits vestimentaires conceptualisés et créés et fabriqués ici au Sénégal est très forte. C'est une opportunité pour les entrepreneurs, effectivement. Opportunité pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien dans l'évolution même du caractère vestimentaire qui définit l'identité des Sénégalais, nous avons ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est un patriotisme vestimentaire. C'est-à-dire que C'est vrai. dans les entreprises, il était beaucoup plus admis d'être habillé en costume-cravate par rapport à des dress codes occidentaux que Tout de à venir fait. en costume africain, par exemple, ou pour les femmes, toujours en costume africain ou en tenue traditionnelle sénégalaise. Ce n'était pas admis. On était regardé, pointé du doigt. Et disons, sur 10 années, il y a eu une évolution qui a fait que de plus en plus, dans les entreprises au code vestimentaire drastique et strict, et même dans les entreprises beaucoup plus ouvertes, les gens, la population admet aujourd'hui et comprend et même favorise le port de vêtements faits au Sénégal, faits en Afrique. C'est vrai, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, sur cette base, pour tous les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer,
c'est une opportunité. Opportunité dans quel sens? Bonsoir. Opportunité dans quel sens? Aujourd'hui, vous allez voir quoi? Vous allez vous dire, le marché est là. J'ai certaines compétences intrinsèques qui me permettent de pouvoir, par exemple, définir un style, créer en fait un style vestimentaire à part entière partant de mes propres goûts. Tout à fait. Et derrière, qu'est-ce qui se place aussi comme inconvénient? La plupart du temps, c'est des inconvénients d'ordre financier. C'est des inconvénients d'ordre financier. C'est des inconvénients d'ordre humain, par rapport aux humaines qui vont nous aider justement à développer un business dans la mode. Parce qu'il faut savoir que les entrepreneurs mode, même s'ils ont l'habitude de se placer en Superman, ne le sont pas vraiment. Ils ont des équipes derrière eux. Donc, c'est en termes de, comme je dis, de ressources humaines, en termes d'apport financier, en termes d'apport technique, en termes d'apport matériel. Tout à fait. Mais aussi en termes de concurrence. Voilà ce qui se pose, en termes de concurrence aussi. Donc, c'est, disons, si on parle en termes marketing, pouvoir faire l'évaluation de ses forces et de ses faiblesses, mais aussi des opportunités et des menaces. Bien sûr, après avoir vu tout ce qui se passe dans le secteur. Et tout ce qui se passe dans le secteur, pour certaines personnes, vous pouvez vraiment suivre, comme je vous le disais, il y a beaucoup de pages qui en parlent, il y a beaucoup de créateurs aujourd'hui qui sont présents sur le net et qui essaient de vulgariser le travail de tout le monde, en fait, dans ce secteur-là. Pas plus tard que le week-end passé, vous avez eu la Fashion Week d'Adam à Paris. Qui s'est tenue. Il y avait aussi le Festimode de Saint-Louis, qui est un festival sur un week-end mode qui se déroule chaque année à Saint-Louis, à Raif Al-Bathili, et qui met en avant aussi des stylistes du Sénégal et de la sous-région. Très bien. Donc, il y a d'événements comme ça qui permettent justement de connaître le travail de toutes ces personnes. Mm-hmm. Maintenant, derrière, quand on arrive à ce stade où on a évalué tout ce qu'on a comme force, tout ce qu'on a comme faiblesse, les opportunités qui s'offrent à nous, ainsi que les menaces, c'est à ce moment-là qu'on va décider réellement de ce que l'on veut faire dans le secteur de la mode. D'accord, je vois. Les personnes vont décider, par exemple, de se dire, bon, je ne sais pas créer, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas donner une touche de style, mais par contre, je sais ce que je veux dans ma tête. Donc, ce que je vais faire, hey, Mr. Babs, je te salue. Encore un autre entrepreneur qui vulgarise le travail de beaucoup d'autres. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Depuis les États-Unis, Babacar, qui est ancien du manager vivant aux États-Unis. Je n'ai pas la capacité de créer. Je n'ai pas la capacité de dessiner. Je n'ai pas la capacité de conceptualiser une tenue. Je ne maîtrise pas les différents types de tissus qui existent. Parce qu'il faut le comprendre. Être entrepreneur dans la mode demande de maîtriser aussi le textile. Et c'est d'accord. Des études à part entière. C'est des études à part entière. Donc, ça demande de maîtriser le textile. Ça demande de maîtriser différents aspects. Donc, je n'ai pas cette capacité. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui si moi, je suis Gordy Cissé et que je veux me lancer dans la mode? Je vais forcément faire appel à un styliste ou à un créateur de mode. Premier point qui va me permettre d'entreprendre dans le domaine de la mode. Parce que la première erreur que font beaucoup de jeunes ici au Sénégal, c'est qu'ils se disent « Khamna Ali Mobogu », excusez-moi de parler Wolof, « Khamna Ali Mobogu », je vais ailleurs. Il n'y a pas de souci. Non, je le dis parce qu'il y a des personnes qui suivent en général... quand on parle en langue locale, ils comprennent beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, d'accord. Beaucoup de gens vont se dire « Je sais ce que je veux, mais... » Beaucoup de gens vont se dire « Je sais ce que je veux, mais je ne sais pas lui donner forme. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire appel à des gens qui ont une formation stylistique.
ou qui sont les créateurs de mode. Parce que ces personnes aujourd'hui pourront vous aider à établir un tableau conceptuel de toutes les possibilités que vous avez en termes de style vestimentaire, en termes de couleur, en termes de choix de tissu, en termes même d'identité visuelle. En termes d'identité visuelle. Parce que là, on est vraiment dans l'aspect produit. Mmh. En termes d'identité visuelle, on est dans l'aspect produit. Sur cette base, beaucoup de personnes sautent cette étape. Il me faut juste un tailleur. Je vais rentrer sur Internet, je vais voir deux, trois modèles qui me plaisent, je vais lui dire coupe ici, modifie là, fais ceci, j'ai sorti une tenue, bam, je peux balancer et vendre. Ça peut marcher, mmh. une fois, d'accord. deux fois, la troisième fois, c'est fini. Ça ne marchera plus. Parce que quand vous décidez, en fait, bon, avant même d'arriver aux agiles, mais quand vous décidez d'aller vraiment vers quelque chose de structuré, de professionnel, il faut suivre les étapes une à une. Donc déjà là, ça vous donne un point qu'il faut déjà prendre en compte. Donc aujourd'hui, même sur cette base, cette personne va se dire, déjà, le premier objectif selon moi qui est impératif, ce serait de choisir dans cette procédure-là le nom de marque qui pourrait impacter. Je vous donne en même temps certains métiers hein, pour que vous puissiez le savoir. D'accord. Très bien. Par rapport au nom de marque, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. Mmh. Passion de marque. C'est une branche à part entière du marketing, mais qui peut très bien s'appliquer à la mode. Donc aujourd'hui, bon, vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas les moyens de payer une agence ou un bureau spécialisé dans la création de marque, mais allez vous documenter justement, allez au niveau de Telma, allez sur certains forums, achetez des livres, téléchargez des livres sur le net qui vont vous parler de la création de marque et des différents processus à prendre. Beaucoup de personnes vont prendre leur nom, le compresser, ou voir un nom africain très exotique, ou prendre un autre nom qui a une connotation, disons, qui leur ressemble. Ça peut marcher. Mais aujourd'hui, si je vous parle de Giacomiti Maca comme marque, ça ne parle pas. Ça ne parle pas, effectivement. Madifa, ça reste, ça passe. Et c'est une marque qui est lancée il y a moins d'un mois, ici au Sénégal. D'accord. C'est une marque portée par une jeune fille, Mam Diaboufal, qui fait de l'excellent travail aussi, et je vous invite même à aller suivre sa page. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment vous baser sur avoir une idée parfaite du nom que vous allez prendre pour votre marque. Quelques astuces même, si vous n'avez pas ces moyens-là, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Pensez à différents noms, que vous allez soumettre aux gens de votre entourage. Et favorisez les personnes qui ont une formation managériale ou qui sont dans la pratique commerciale ou dans le marketing ou dans toute autre branche du management. Favorisez ces personnes. Parce qu'en général, ces personnes sont les personnes les plus compliquées et difficiles à convaincre. D'accord. Effectivement, c'est vrai. Voilà. En général, si vous n'êtes pas un entrepreneur solide, que vous vous adressez à un oncle, une tante ou un cousin ou un frère qui est dans une très vite, il peut casser votre détermination ou votre engouement à vous lancer dans l'entrepreneuriat, surtout au niveau de la mode. Donc, soumettez votre projet à ces personnes, parlez-leur du nom de marque que vous désirez créer, et si vous arrivez à les convaincre, sachez que vous avez rempli le premier aspect du processus. D'accord. Et pour convaincre, justement, qu'est-ce qu'il faut ? Selon vous. Pour convaincre. Mmh. Ok, la première personne qui me dit ce qu'il faut pour convaincre, je lui offre un bon habillement de chez Mado. Bon, je vais donner donc, la... Je pense qu'ils ne vont pas tarder. Hein. Ça va commencer à venir alors. D'accord. Bon, je vais quand même donner la réponse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour convaincre, justement, il faut avoir des arguments. Et ces arguments, vous les aurez sur la base d'une histoire. Mmh.
La mode, voilà. Ce que dit Ah, exactement. vendre du rêve. Voilà, ce qu'elle dit, c'est exactement ça, vendre du rêve. Donc, proposer une histoire. C'est ça un élément clé. Voilà. Donc, c'est ça l'élément clé, en fait, proposer une histoire. Parce qu'aujourd'hui, je vais venir. Je vais vous dire, par exemple, que je crée ma marque. Nous proposer être en mesure d'expliquer. Bon, bien sûr, être en mesure d'expliquer, c'est ce qu'on vient de développer. Maintenant, imaginez-vous une chose. Je m'appelle Cherty Ganbay. J'ai décidé de créer ma marque en 1998. Marque que j'ai décidé d'appeler Bachou. Pourquoi? Parce que mon fils aîné s'appelle Bachir. Et j'ai décidé de lui dédier ma marque. J'ai créé ma marque qui est dans le haut de gamme, mais qui a une identité sénégalaise. Parce que c'est des produits D'accord. vestimentaires qui vont être proposés avec vraiment des finitions parfaites, mais ce qu'on appelle donc du demi-mesure, parce que une partie est faite en industriel, mais une partie est finie à la main. Aujourd'hui, j'ai plus de 22 ans d'expérience dans ce domaine. D'accord. J'ai eu à habiller des présidents. J'ai eu à habiller des ministres, j'ai eu à habiller des personnalités, qu'elles soient politiques ou autres dans d'autres domaines. Mais la plus grande satisfaction que j'ai de cette marque, c'est de faire en sorte de la transmettre à différentes générations, qu'elle soit pérenne. Aujourd'hui, je crée une histoire autour de ma marque. Je m'appelle Madeleine. Enfin, j'ai été mannequin. J'ai défilé partout en Afrique. J'ai gagné différents prix pour le Sénégal. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma marque que j'ai appelée Mado. Mado Marque. D'accord. J'ai eu à la créer parce que j'ai voulu partager justement avec toute la population sénégalaise différents tissus, différents styles, différentes couleurs que j'ai eu à découvrir par rapport à chacun de mes voyages faits en Afrique. En partant du style égyptien, tchadien, malien, guinéen, sénégalais, sachant que chacun de ces styles est différent. Et j'ai essayé d'en faire un mix pour proposer le meilleur de la mode africaine. Donc là, je suis en train de développer toute une histoire. Et c'est ces histoires qui permettent de convaincre. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des cibles mode aiment en fait qu'on leur dise, je suis parti de zéro, j'ai décidé de À créer. Voici mon histoire. Voilà, de zéro à héros. Donc, pensez à créer tout un concept, toute une image, tout un storytelling autour du nom de votre marque. C'est le deuxième step. Pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez juste besoin d'être créatif. On n'arrive pas à financer. Prochaine étape du processus, dès que vous avez une marque, que vous avez votre histoire, il faut savoir à qui vous allez l'adresser, à qui vous désirez proposer le fruit de votre travail. La cible, tout à fait. Il faut savoir ça. Parce qu'aujourd'hui, bon, pour la cible, vous pourrez rentrer dans n'importe quel forum marketing, on vous dira comment définir. Mais je vous donne des aspects très brefs pour que vous puissiez déjà savoir, parce que je pense que le temps est en train de courir. Oui, tout à fait. Mais allez-y, allez-y, allez-y. Justement, les histoires ne sont pas obligées d'être réelles. C'est pour ça que je dis qu'il faut conceptualiser, créer toute une histoire. Comme si elle était obligée, si l'histoire était obligée d'être réelle, je n'aurais pas utilisé le terme créer. Donc, je vous dis, racontez votre histoire. Mais vous pouvez la créer parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut vendre du rêve. Donc, ce n'est pas immobile. Voilà. L'histoire n'est pas obligée d'être réelle. Mais vendez du rêve. Mais il faut que cette histoire, justement, colle à ce qu'on parle, à ce qu'on dit là tout de suite, colle à une cible. Maintenant, cette cible, c'est qui? C'est tout ce qui correspond à votre marque. Vous n'allez pas vendre, disons, des tenues de soirée pour aller en boîte du style mini-jupe au crop top à des dames entre 35 et 45 ans qui sont cadres d'entreprise et qui n'ont aucune forme d'attrait pour ce type de vêtements. Donc, on peut D'accord. être consommatrice absolue.
Donc aujourd'hui, toute histoire, toute marque doit être dirigée vers une cible. Bien sûr, je saute la partie, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, de la création, des couleurs, des tissus, du style vestimentaire, parce qu'aujourd'hui, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens dont c'est le métier spécifique. Donc aujourd'hui, vous arrivez à ce niveau. Vous savez à qui vous voulez vendre. Mais dites-vous bien une chose. On va parler de positionnement. On va parler de segment de marché. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, OK, je vais évoluer dans le domaine de la mode, mais je veux faire de la maroquinerie. Ou bien, je veux être dans la joaillerie, dans la bijouterie, ou bien je veux être dans le vestimentaire pur et dur. Dans ce vestimentaire-là, je peux m'attaquer tout simplement aux hommes, ou vendre aux femmes, ou vendre aux deux. On peut dire aussi, non, je veux faire des vêtements traditionnels ou tradis modernes, où je veux faire justement de la distribution, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'entrepreneurs mode ne sont pas forcément des créateurs. On peut créer une marque de distribution de mode. Aujourd'hui au Sénégal, vous avez beaucoup de concept stores qui se développent et qui font quoi? La distribution de produits vestimentaires faits par d'autres personnes. Donc vous allez aller dans beaucoup de concept stores, vous verrez des tenues de différents créateurs. Donc, un concept store que j'aime bien, déjà, c'est le concept store Coop 221 qui se trouve au point E. Et il y en a plein d'autres à Dakar, d'ailleurs. Beaucoup. D'accord. Donc, c'est des endroits où vous allez trouver, par exemple, des tenues de Sofatou, des modèles de Alghaï, des accessoires de Bolé Dakar. Vous allez trouver aussi enfin, des sacs de Nene Yaya. Vous allez trouver peut-être des montres Matidi. Plein d'articles vestimentaires faits par différents créateurs. Ça aussi, Dans un seul magasin, hein? D'accord. le magasin. Parce que ce qu'il faut comprendre, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas les moyens d'avoir leur propre magasin, d'avoir leur propre boutique pignon sur rue. Non. Donc, ces stores permettent justement de promouvoir justement les produits vestimentaires faits par ces différents créateurs, car ces concepts stores ont leur propre stratégie de communication, ont leur propre clientèle. Voilà. Donc, ces personnes peuvent proposer aujourd'hui à ces différents créateurs de leur mettre à disposition une clientèle déjà faite. D'accord. Donc, ça, c'est un aspect. Maintenant, quand on retourne, bien sûr, dans l'entrepreneuriat, bon, dans la création de marques et de noms, de coupes et de styles et de couleurs, après tout ce qu'on a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un positionnement que vous allez avoir. Aujourd'hui, vous allez dire, je vais vendre, donc distribuer, je vais distribuer des produits vestimentaires pour d'autres personnes, mais ma cible sera vraiment des gens d'un niveau de revenu très élevé, disons. On n'utilise plus le terme, mais pour certaines personnes, c'est les CSPA, CSPA+, A++, tout ça. Donc, c'est des personnes qui ont vraiment du revenu. Madame Borne Khalis, les gens qui ont de l'argent. Parce que en général, les gens qui évoluent dans le domaine de la mode, c'est ce qu'ils se disent. Je vais viser haut. Mais dites-vous une chose. Que vous soyez créateur d'une marque de vêtements que vous allez proposer, ou que vous soyez créateur d'un concept store qui va distribuer les produits vestimentaires d'autres personnes, dites-vous plus votre positionnement va être élevé en termes de catégorie, de qualité et de prix, plus vous aurez en face de vous une clientèle avertie. Il faut. D'accord. Parce que les passionnés, je vous l'ai dit tantôt, la Oui. mode prend beaucoup de la passion. Et en général, les consommateurs de produits vestimentaires de mode à fort prix, à forte valeur ajoutée, sont des gens qui sont déjà connaisseurs. Donc, si vous Je n'êtes vois. pas capable aujourd'hui de tenir vos arguments face à ces personnes, vous perdez le gros de votre clientèle. Déjà. Donc, dites-vous que plus vous allez avoir un positionnement élevé, plus la clientèle vous avez en face de vous aura un processus, un comportement d'achat qui sera très, 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 très élevé aussi, en termes de choix, en termes de critères. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette catégorie, quand on passe en positionnement, vous avez deux éléments aussi qu'il faut prendre en compte. C'est
les positionnements que vous voulez, c'est-à-dire le positionnement voulu et le positionnement perçu. Parce que vous allez créer une marque, vous voudrez avoir un positionnement, admettons, haut de gamme, viser une clientèle chic, riche et nantie, disons dans la haute bourgeoisie, mais vous aurez un positionnement populaire en termes de valeur perçue. Parce qu'aujourd'hui, l'exemple patent, c'est Lacoste. Lacoste était fait à la base pour justement une clientèle nantie, bourgeoise, de la haute société, mais Lacoste est aujourd'hui une marque qui a été adoptée par toutes les populations, disons, à revenus moyens, qui ont économisé, qui ont trouvé cette marque très belle. C'est pour ça que vous avez vu que c'est une marque aujourd'hui qui fait du sportswear, qui habille tout le monde. Tout le monde porte du Lacoste aujourd'hui. Donc, voilà. Alors que c'était destiné à une élite, disons, une cible réduite. Donc, vous pouvez aussi vérifier sur le net, vous aurez ces informations-là. Donc, après ces différents éléments, quand vous savez à qui vous voulez vendre, ce que vous allez lui proposer, quelles sont vos forces, vos faiblesses, les opportunités qui se posent sur le marché, les menaces et tout ça, posez vos objectifs réalistes. Soyez réaliste dans l'élaboration de vos objectifs. Soyez réaliste. Ne vous dites pas, je vais me lancer aujourd'hui, je vais casser la baraque aujourd'hui. Non. Ne soyez pas aveugle dans vos choix. Ne soyez pas aveugle dans vos choix. Il faut vous mettre des objectifs clairs, il faut vous mettre des objectifs précis, mais des objectifs qui soient mesurables et des objectifs que vous pouvez atteindre. Des objectifs smart, effectivement. Voilà. Donc, c'est ça exactement qui va vous permettre aujourd'hui de pérenniser votre marque. C'est ça qui va vous permettre de pérenniser votre marque. Donc, à cette étape-là, quand vous allez comprendre que vous avez des objectifs, il sera très simple de pouvoir les atteindre. Comment? Vous allez vous dire, je n'ai pas la capacité de créer. Je vais faire appel à des créateurs, des jeunes stylistes. Il y a plein d'écoles aujourd'hui, comme Ismode, ici à Dakar, qui vont vous proposer des jeunes stylistes capables de vous faire des croquis de mode, de vous édifier sur les tissus, les coloris, les tons, les couleurs, qui vont même pouvoir retranscrire ce que vous avez dans votre esprit en termes de création. Ça, c'est de côté. Vous allez devoir faire appel à des couturiers, des tailleurs qui vont vous aider à produire vos vêtements. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on passe à l'étape des ouvriers et des tailleurs. Donc là, on passe, si on suit un peu en marketing simple, à l'étape du produit. Un conseil que je peux vous donner. Quand vous êtes jeune entrepreneur, que vous n'avez pas assez de budget, faites appel à des tailleurs indépendants. N'hésitez pas d'abord à aller voir des jeunes qui sont en train de se former, qui sont dans des écoles de formation, qui pourront mettre une image, créer ce que vous avez dans vos têtes, mais n'hésitez pas à aller voir des tailleurs indépendants. Aujourd'hui, vous allez au marché HLM, vous allez à Colomban, vous allez à Medina, vous avez plein de tailleurs qui ont leurs propres ateliers que vous pourrez payer à la pièce ou à la journée, qui pourront aujourd'hui, sur la base de vos croquis et des mesures que vous leur donnerez, confectionner un vêtement, déjà. Donc, ça vous évite des charges de structure, si vous n'en avez pas. Ça vous évite toute une main-d'œuvre qui sera à vos frais. Donc, vous faites des économies d'échelle, déjà à la base. N'hésitez pas à le faire. Autre aspect, vous avez créé votre produit. Votre produit est là, présent. Maintenant, vous allez devoir définir votre prix. Maintenant, à cette étape, quand vous allez penser à définir votre prix, il faut vos premiers clients, ce que je dis beaucoup, toujours à la plupart des entrepreneurs que je rencontre, à la plupart des étudiants que nous avons, vos premiers clients sont vos proches. Vos premiers clients sont vos proches. Pourquoi on dit que vos premiers clients sont vos proches? Parce qu'on entre dans un aspect qu'on appelle le love money ou money love. Bon, les anglais, on l'appelle comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute personne qui est proche de vous sera plus enclin à dépenser de l'argent pour vous aider à vous lancer qu'une personne que vous ne connaissez pas.
Donc, faites-en votre phase test. Vous, les jeunes entrepreneurs, que vous soyez étudiant, professionnel, cherchant une reconversion ou voulant entreprendre pour avoir des sources de revenus annexes. Faites-en votre phase test, votre échantillon test. Voyez les personnes qui sont proches de vous. Dites-vous aujourd'hui, par exemple, « Oh, ok, je vais acheter, admettons, 50 mètres de tissu de différentes couleurs. Je vais payer un tailleur qui va pouvoir me confectionner ça en une semaine. Je vais payer un jeune styliste qui, pour me faire, par exemple, 10 ou 6 modèles, sachant que pour faire une collection, il faut minimum 6 modèles, qui va me faire 6 modèles pour, admettons, 5 francs ou bien 100 000 francs ou autre chose. Ok, j'ai fait tout ça. J'ai mon produit. Ok, je vais appeler tonton Amar, tata Astou, une amie de ma mère. Ah, ok, tata Madeleine, nanani nanana. Ah, mes potes, moi. Qui va acheter, qui va acheter. Faites la liste de toutes les personnes qui, même en ne voulant pas du produit à la base, seraient capables de l'acheter juste pour vous, votre personne. C'est vrai, tout à fait vrai. Donc, ces personnes-là seront les premières à pouvoir vous dire est-ce que déjà vous avez fait un travail de qualité. Premièrement, parce qu'on peut bien aimer une personne, on peut acheter son produit, mais à terme, si le produit n'est pas bon, on ne renouvellera jamais l'achat. Tout à fait, ça c'est vrai. Donc, montrez vos modèles, vendez aux personnes qui sont d'abord autour de vous. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Beaucoup d'entrepreneurs vont créer une collection de 10 modèles, n'auront même pas assez de tissu pour répondre à une demande, vont créer une page Instagram, vont mettre les modèles dessus, vont faire une petite improvisée. Après, vont se retrouver avec des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas respecter les délais de commande, ils ne pourront pas renouveler à l'identique le modèle qu'ils ont proposé. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller prendre des tissus. Des tissus de bon issus de friperie, on peut dire, les restants de grosses commandes européennes qu'on met dans des conteneurs et que vous retrouvez à Global. C'est-à-dire, c'est des rouleaux de tissus en pièces uniques que vous ne pourrez plus retrouver. Donc, si aujourd'hui vous faites une collection avec ce type de tissu, vous pourrez vendre une collection exclusive, admettons. Ça peut être très intéressant de vendre des collections exclusives. Beaucoup de créateurs ont commencé comme ça ici, mais derrière, si on vous recommande le même modèle avec les mêmes tons, les mêmes couleurs, le même design, vous ne pourrez pas le refaire. Donc, il faut prendre ces aspects-là en compte. Donc, derrière, il faut vraiment déjà vous lancer par rapport aux personnes de votre entourage. Ne mettez pas la charrue en route. Dites-vous, par exemple, je vais essayer d'avoir une clientèle de 20 ou 30 ou 50 personnes ou 100 personnes que je vais attaquer, 100 personnes de mon entourage que je peux attaquer, à qui je peux proposer des produits vestimentaires. Même si je ne réalise pas 100% de ventes, j'aurai au moins 10 à 20% de ventes conclues sur ma première collection. Et de là, je pourrai avoir des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que ces personnes me diront « Ah, change ton tailleur, change la coupe, change le modèle, ça, le tissu n'est pas trop adapté, il va faire chaud, à telle période, ça ne marchera pas. » Vous aurez les retours de tout le monde. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, après cet aspect-là, il faut comprendre la page du management. Si vous êtes un jeune entrepreneur qui n'a pas les formations en management, s'il vous plaît, documentez-vous ou allez au niveau de Telma. Rapprochez-vous de l'administration, retrouvez là-bas des jeunes étudiants qui ont la formation pour. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'avoir une personne à ses côtés en fait, avec un bagage intellectuel, des connaissances en management, peut vous permettre de mieux développer votre business parce que cette personne pourra faire un suivi clair sur la base de route. Et ça, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais les étudiants de Telma sont capables de le faire. Tout à fait. Merci. À cet instant, cette personne vous dira que pour définir un prix, vous allez d'abord voir vous-même votre prix comptable. C'est-à-dire, vous ferez la somme de toutes vos charges, le coût de revient de votre produit, et ensuite vous définirez la marge bénéficiaire adaptée au produit que vous voulez vendre, à l'histoire, à l'image, au branding que vous allez donner à votre marque. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un exemple très bête, vous pouvez avoir un produit vestimentaire qui va vous coûter, en termes de coût de production, 20 000 francs CFA, mais que vous serez incapable de vendre à 40 000 ou 45 000, justement parce que vous n'avez pas travaillé votre image. Alors que derrière, vous pourrez avoir
Voilà, justement, même ça fait appel à une étude. Faire de, voilà, une production en grande quantité avec les différentes tailles. Ça, on y reviendra. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ici, en Afrique, au Sénégal, nous avons un type sahélo-saharien. Donc, nous ne sommes pas dans les standards européens. Donc, aujourd'hui, si vous voulez appliquer les tailles standards européennes en partant du S, M, L, tout ça, vous aurez soit un problème au niveau des manches, c'est-à-dire la longueur du bras, qui n'arrive, les chemises européennes n'arrivent jamais voilà, à la bonne taille. Vous aurez toujours un peu plus petites. Ou bien quand c'est des vêtements, produits vestimentaires américains, ils arriveront à la bonne longueur, mais seront trop larges par rapport à nous. Donc c'est vraiment toute une étude qu'il faut faire, conceptualiser. Voilà, comme vous dites, seulement par commande. Ça peut le faire. Maintenant, D'accord. voilà, pour ne pas perdre le fil. D'accord. Donc pour ne pas perdre le fil, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'après avoir défini ce prix-là, votre prix, il faudra derrière faire une étude de marché. C'est très important. Faire une étude de marché. Savoir qui sont vos concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent comme produit, quelles sont les lignes vestimentaires qu'ils mettent à la disposition de leur clientèle, quels sont les accessoires qu'ils proposent, s'ils en proposent, est-ce qu'ils ont des marques, est-ce qu'ils font seulement de la vente en ligne? Est-ce qu'ils sont aussi dans des circuits de distribution, donc des concept stores? Est-ce qu'ils font aussi de la vente à l'international? Il faudrait aussi savoir quel est l'avantage concurrentiel, quel est le service qu'ils proposent en plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez proposer un vêtement, mais vous allez proposer un service derrière. C'est ça, Et tout à donc, fait. on appelle à des protocoles de vente. Ces protocoles de vente-là, ça commence dès l'instant où vous vulgarisez votre produit. Je ne veux pas brûler les étapes, mais il faut le comprendre. Ça va commencer dès l'instant où vous vulgarisez votre produit. Donc, quand vous aurez défini tout ça, il faudra aussi savoir quel est le prix perçu. Montrez vos vêtements. N'ayez pas peur de la critique. Par exemple, aujourd'hui, là, c'est une montre 100% sénégalaise de chez Ruby Watch. Là, c'est une montre 100% sénégalaise de chez Matidi. N'hésitez pas. Allez, montrez votre produit de mode. Dites, OK, Monsieur Ning, à combien vous achèteriez cette montre? D'accord. Monsieur Ning vous donnera son prix. Vous irez chez quelqu'un, à combien vous achèteriez cette montre? Tout en lui parlant de l'histoire, du concept qu'il y a autour, de tout ce qui est développé autour de cette marque. Cette personne vous donnera son prix. Ensuite, vous allez pouvoir faire un ratio comparatif entre votre prix comptable, le prix de la concurrence, et le prix perçu par votre échantillon test cible. Dès que vous aurez ce ratio-là, il sera très simple pour vous de pouvoir définir le prix définitif de vos produits. En faisant quoi? Si, admettons, aujourd'hui, vous avez un produit vestimentaire, admettons que cette montre, on décide de la vendre à 50 000 francs. Vos concurrents vendent cette montre à 45 000. Mais les gens, c'est-à-dire votre cible en général, pense pouvoir acheter cette montre à 40 000. Donc vous avez un gap de 10 000 francs à combler pour atteindre votre prix, votre propre prix. Donc ce qu'il va falloir comprendre derrière, c'est quoi? C'est que vous allez devoir soit impacter sur vos coûts de production en essayant de maximiser votre production, faire plus de vêtements, faire travailler vos prestataires pendant beaucoup plus d'heures et essayer de réduire les frais et les charges que vous allez payer pour pouvoir répondre au prix de votre concurrence ou au prix perçu par votre clientèle, ou bien vous allez devoir travailler sur votre branding, sur votre image, sur le service associé pour pouvoir faire monter la valeur de votre produit. Vous comprenez? Aujourd'hui, par exemple, moi je vais vendre à 50 000. Je me dis, certains le veulent à 40, mes concurrents le font à 45, moi je vais le vendre à 50 000. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à deux étapes qui sont très importantes. Distribuer mon produit. Et comment je vais le distribuer? Je vais me dire, OK, je vais aller dans un concept store. Je vais proposer mes montres là-bas. Je vais faire de la vente en ligne. Et pour d'autres personnes qui n'ont pas les moyens justement d'avoir une boutique, il faut savoir que
Il y a beaucoup de ventes privées, beaucoup de journées fashion qui se font au Sénégal dans les grands hôtels et autres, mais vous avez l'option aussi de faire des ventes flash. C'est-à-dire aujourd'hui, louer un appartement, 25 000 par jour, 20 000 francs par jour, vous le prenez sur 4-5 jours. Attendez-vous, par exemple, attendez la période de la fin du mois où vous êtes sûr que votre clientèle a l'argent. Faites une Tout à commission fait. sur 2-3 semaines en disant à votre clientèle, je vous invite dans un lieu privilégié où vous aurez la possibilité de découvrir en avant-première mes produits, qu'ils soient accessoires ou vêtements. Nous serons pendant 5 jours, admettons, aux Almadies, dans un appartement grand luxe où vous pourrez venir manger des petits fours, boire du café, consommer du jus, discuter autour de la mode et vous aurez en prime les produits vestimentaires là. Automatiquement, vous faites monter la valeur de votre produit. Tout à fait, c'est vrai. Vous allez créer toute une histoire. Vous allez faire aujourd'hui, parce que là, je parle toujours de la distribution. Quand vous avez un concept store, une boutique ou une vente, ou vous faites de la vente en ligne, vous faites des ventes flash ou autre chose, vous êtes toujours dans la distribution. Trouvez différents moyens de vendre vos produits. Aujourd'hui même, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle des conseils en images, des spécialistes de la conciergerie de luxe, D'accord. qui vont, eux, proposer vos produits à leurs clients. C'est-à-dire que ce sont comme des intermédiaires aujourd'hui. Je vois. À qui vous vendrez votre produit, admettons, à 50 000, qui iront le vendre à leur clientèle à 60 000, s'ils en ont la capacité, ou vous leur proposez votre produit à 47 000 et ils iront le vendre à 50 000 pour respecter votre ligne de produit, mais avoir quelque chose derrière. Donc, c'est plusieurs options que vous avez pour distribuer vos produits vestimentaires, ou vos produits de mode, ou vos accessoires. Dernière étape qui est très, très, très importante, c'est l'aspect de la communication. De la D'accord. communication. Et je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas capable de communiquer, adressez-vous à des personnes qui sont capables de le faire. Prenez des étudiants qui ont une formation en community management, que vous payerez peut-être pour certains 35 000, pour d'autres 40 000. Ça leur fait un peu d'argent de poche. Ils travailleront pas à temps plein ni à temps exclusif, mais ils travailleront par exemple 2 heures ou 3 heures par semaine, par jour, excusez-moi, pour être en interaction avec votre cible. Vous n'avez pas le temps de le faire. Faites appel à des influenceurs de mode, à des égéries. Faites de beaux visuels. Investissez sur votre image. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire vous allez être entrepreneur mode, vous allez agir dans le domaine de la mode sans vouloir investir sur votre image. Donc, comment? On va le faire de la façon la plus simple. Beaucoup de marques vestimentaires n'ont pas les moyens aujourd'hui de communiquer à la télé, dans les médias. Beaucoup de marques aujourd'hui n'ont pas la capacité d'organiser des défilés, sachant que le summum de la communication pour une marque de vêtements, c'est de pouvoir organiser un défilé. Bon, je vous renvoie à l'histoire de la mode. Quand vous prenez les premiers modèles de vêtements mis en exergue par des mannequins, vous avez Charles Frederick Worth qui a été le premier à mettre ça en avant. Voilà. Et c'était au 18e, astaghfirullah, au 19e siècle. Voilà. Au début du 19e siècle. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'adhérer à des associations de créateurs de mode. Vous avez la possibilité d'adhérer à des associations, par exemple, comme l'AMPS, l'Association des mannequins et métiers de la mode du Sénégal, dont Khadija Sy, ex-mannequin international, est la présidente. Vous avez l'Association des stylistes et créateurs de mode du Sénégal, qui était dirigée par Sadia Gaye, qui a été mannequin à l'international, qui a défilé pour Dior et Yves Saint Laurent, ici au Sénégal. Vous pouvez aussi vous rapprocher de structures, excusez-moi, comme la SODAV, qui va vous permettre d'enregistrer le nom de votre marque, de protéger vos créations. Vous pouvez aussi vous rapprocher comment ça s'appelle, de l'OAPI, La paix, oui, tout à fait. de la propriété intellectuelle, ou même à une plus grande échelle, quand vous aurez vraiment décidé
d'attaquer le marché international, de vous adresser à l'OMPI. Mais bien sûr, toutes ces structures de protection ont un coût. Il faut prendre. Et des fois, ce coût peut être très élevé. Mais vous pourrez protéger vos marques et vos créations. Maintenant, il y a une question. Quel est le meilleur moyen d'être visible? Le meilleur moyen d'être visible, déjà, c'est de se donner une image. Bon, je vous dis quelque chose. Ici, au Sénégal, on dit que l'habit fait le moine. Chez les autres, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais ici, on dit que l'habit fait le moine. On juge les gens par leur port vestimentaire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez convaincre un fashionista de prendre d'adopter votre marque à sa personne, mais vous allez trouver ce fashionista là où il est. Donc, on remonte à la cible. Votre cible, si vous vendez des produits vestimentaires d'un certain niveau de qualité avec un certain niveau de prix, vous allez dire, où se trouve ma cible? Ma cible se trouve sur les réseaux sociaux. Ma cible se trouve dans les cafés, les grands restaurants, dans les lieux de villégiature. Donc, vous allez aller trouver votre cible où elle se trouve. La moins coûteuse de le faire, c'est à travers. Mais ce qu'il faut comprendre dans les réseaux sociaux, c'est pas seulement, ouais, je viens, je poste une photo, je fais costume africain, 40 000 francs. C'est pas ça. La personne va regarder, va dépasser. Mais c'est créer tout un concept. Tenir en haleine. Avoir une stratégie de communication adaptée aux réseaux sociaux. Et la base des réseaux sociaux, c'est créer une interaction entre vous et votre cible. C'est du donnant-donnant. Aujourd'hui, votre cible, une personne l'a dit tout à l'heure, va s'attendre à du rêve. Pour faire rêver votre cible, vous allez par exemple dire, oh, ok, actuellement, la tendance veut que la série Karma ou Virginie ou Maîtresse d'un homme marié ou Infidèle ou autre soit vraiment à la page, face à l'actualité. Dans cette série, il y a telle et telle et telle personne qui a une image vraiment appréciée du public. Je vais m'adresser à cette personne, je vais essayer de collaborer avec cette personne. Cette personne va être un influenceur, cette personne va être un vecteur d'identification à ma marque. Parce que beaucoup de personnes s'identifient à cette personne, je vais m'approcher d'elle pour qu'elle-même puisse adopter ma marque et de ce fait, toutes les personnes qui s'identifient à elle vont adopter ma marque. Ce que font beaucoup de mode, beaucoup d'entrepreneurs de mode actuellement. Ils s'associent à des personnes qui ont une forte visibilité, qu'on peut considérer comme des prescripteurs dans le domaine. Ce n'est pas le qui est utilisable, mais on peut considérer comme des prescripteurs et influenceurs pour la plupart des cas. Donc, vous avez ça déjà qui peut vous permettre de communiquer. Vous avez aussi l'événementiel. D'accord. Et, voilà. Et il faut savoir que dans cet événementiel-là, beaucoup de métiers de la mode y ont un impact. Voilà. Parce que la mode, ce n'est pas seulement l'habit ou l'accessoire, mais c'est tout ce qui touche à la beauté, à ce qui magnifie l'être vivant, humain. Donc, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des créateurs événementiels, des concepteurs d'événements, des chefs backstage qui sont issus du monde de la mode. Le plus connu ici au Sénégal s'appelle Ibrahima Tradjouf, qui est chef backstage qui organise la plupart des grands événements de ce pays. Vous avez bon, bien sûr des métiers d'animateur, de présentateur, vous avez des métiers d'accessoiriste et autres choses qui sont utilisées aussi dans le cinéma, la publicité, la télévision. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez participer à ces événements. Beaucoup de gens vont voir, par exemple, la Fashion Week, East Mode, ils vont voir le deuxième design show et se dire, je ne peux jamais y accéder. Croyez-moi, les ne sont pas si élevés que ça. Visez ces événements-là, qui sont des plateformes d'expression pour les stylistes, mais aussi qui sont un moyen de toucher une plus large cible. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux. On est peut-être 1 700 000 Sénégalais actuellement à être actifs sur les réseaux. Je ne me trompe pas, avec une marge d'erreur de plus ou moins 20%. Et derrière,
passer sur les médias classiques, donc la télé, déjà, donne du poids en termes de notoriété, parce que tout le monde n'est pas donné de passer à la télé. Et les rares créateurs et concepteurs et propriétaires de marques d'événements qui arrivent à passer leur publicité à la télé sont des gens derrière qui ont un certain standing, un certain niveau de clientèle et qui ont aussi un certain niveau de prix, limite qui touche à l'écrémage pour le marché sénégalais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire une grande différence entre le luxe et le haut de gamme. Tout à fait. Voilà. Et on peut même soulever une autre polémique parce qu'aujourd'hui, on nous dit que le luxe appartient à la France, que pour être dans le luxe, il faut faire 2 défilés par an, appartenir à une société restreinte de créateurs qui font du FEMA à 100%, donc un savoir-faire artisanal, qui ont une maison de couture et qui produisent des pièces de mode dont la rareté fait l'exception. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce qui est considéré comme de la haute culture là-bas, dans notre perception ici, quand c'est nos créateurs qui le font, on ne le considère pas forcément comme de la haute culture. Parce que nous avons beaucoup de créateurs qui répondent à ces critères, mais que nous ne considérons pas. Parce que quoi, nous sommes attachés au prêt-à-porter. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, là ça change, hein, mais 5 ans en arrière, par exemple, vous m'auriez donné un costume fait par un Sénégalais sur mesure et un costume de Zara, admettons, ou de chez Malto, ou de chez Hugo Boss, le choix aurait très vite été fait. Tout à fait. Voilà. Mais il faut comprendre que les mentalités changent. Il faut comprendre. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons la technicité et le savoir-faire de la haute couture, mais justement, nous n'avons pas développé cette image, nous n'avons pas développé tout ce concept même pour vulgariser notre mode et lui donner un certain niveau. Il faut comprendre. Et c'est là que c'est important, en fait, que dans ce secteur de la mode, parce qu'il a été fortement dirigé ces 30 dernières, 40 dernières années par des personnes autodidactes, c'est là qu'il est important de faire appel à des managers formés pour ça, qui vont vous aider à développer vos business, qui vont vous aider à développer votre image, qui vont vous aider à développer votre distribution, qui vont vous apprendre à gérer une comptabilité, à faire une étude contractuelle, qui vont vous apprendre à faire des partenariats avec des distributeurs internationaux, qui vont vous suivre dans un processus de semi-industrialisation et peut-être d'industrialisation complète, qui vous permettra d'avoir 2 catégories de produits, un produit prêt-à-porter que vous pourrez vendre dans, partout dans le monde. Donc, ça se fait, des industries sont en train de naître ici au Sénégal. Et vous aurez aussi une ligne de vêtements qui sera un peu plus exclusive, artisanale, qui répondra au code du luxe que des personnes nantis pourront se permettre d'acheter. Voilà. C'est vraiment ça qui va définir l'aspect de votre marque. Et quand on parle d'entreprendre dans le domaine de la mode, justement, on revient sur les métiers pour conclure, parce que je pense qu'on a dépassé le temps. Oui, mais allez-y, c'est vraiment très passionnant, monsieur Cissé, allez-y. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans le milieu de la mode, il y a les métiers de conception. Il y a les métiers de conception. Des gens qui ne font que ça. Des stylistes, des créateurs de mode, des dessinateurs, des designers, des gens qui vont faire des concepts en 3D. Ce sont des concepteurs. Donc, au Sénégal aujourd'hui, dans chacune des catégories de conception, nous avons des écoles. Nous avons des gens formés pour ça. Nous avons des ateliers qui se font. Nous avons des séminaires qui sont organisés, lancés dans ces métiers de la conception. Or, les métiers de la conception, il y a les métiers de la fabrication. C'est-à-dire que vous aurez les tailleurs, vous aurez les chefs d'atelier, vous aurez les coupeurs, vous aurez les patronniers, ceux qui font justement le patronage pour faire les tenues et autre chose. Vous aurez des personnes qui seront vraiment spécialisées que dans le choix des coupes. Vous aurez des personnes qui seront spécialisées que dans le choix des couleurs. Vous aurez des personnes qui sont spécialisées que dans l'assemblage. Voilà. D'accord. Je vais vous poser une question, voilà. En fait. Quand on dit haute couture, ce n'est pas seulement ça, en fait. Ce n'est pas que toute la tenue est confectionnée à la main
Mais ça fait appel à d'autres critères. Je les ai expliqués tout à l'heure. C'est-à-dire le fait de faire deux défilés par an, d'appartenir justement à ce monde de la haute couture, parce qu'on n'est pas dans la haute couture juste. On ne va pas venir se dire « je suis dans la haute couture » et être admis dans la haute couture. Non. Mais c'est un collège justement de créateurs, de mode, qui vont dire par exemple que telle personne fait de la haute couture sur la base de critères techniques en termes de finition, en termes de conception. Mais la plupart du temps, oui, on peut dire que c'est l'élément principal pour définir qu'un produit vestimentaire est de haute couture ou pas. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette haute couture, avant même d'y arriver, vous avez le prêt-à-porter de luxe ou haut de gamme. Exemple très simple, vous allez voir Yves Saint Laurent qui a justement sa marque, sa boutique, qui avait sa marque, sa boutique de haute couture et qui avait sa boutique de prêt-à-porter à la rive gauche. Donc, il a touché deux cibles. Donc, il faut le voir comme ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, on revient à là où on était, dans la promotion, dans la vulgarisation et dans les métiers. Ce qu'il faut comprendre, donc on a parlé des métiers de conception, on a parlé des métiers de fabrication. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que pour maîtriser le secteur de la mode, en tout cas à une échelle nationale, il faudrait que toutes les industries textiles soient relancées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Sotiba, de certaines industries textiles. Il y a eu beaucoup de projets européens, panafricains qui ont été faits justement dans les années 90 avec le concours de plusieurs stylistes africains dont Colère de Sow, Alfadi et d'autres pour promouvoir le textile africain, promouvoir la, disons, la fabrication, l'industrialisation textile ici. Mais actuellement, cette industrie n'est pas très développée. Nous sommes producteurs de coton, nous sommes de certains types de tissus comme le batik, comme comment on appelle ça déjà, le pagne tissé ou autre. Mais aujourd'hui, le wax ne nous appartient pas, par exemple. Le wax est hollandais. C'est vrai. Ce n'est pas un pareil. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, nous ne maîtrisons pas cet aspect-là. Donc, si on prend en compte les cinq forces de porteurs qui veulent que vos fournisseurs aient un impact sur, dans votre business, aujourd'hui, c'est un aspect qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, nous sommes sujets aux coûts et aux valeurs de production de ces dits textiles. Voilà. Voilà. Nous avons effectivement d'excellentes matières. Mais si vous voyez bien que toutes ces matières sont mixées avec des tissus, avec des accessoires venant d'Europe. Même nos marques aujourd'hui qui font du « made in Sénégal », entre guillemets, se fournissent en Europe en termes de tissus et d'autres accessoires. Rien que de boutons, de fermetures éclairs et autres, fils et autres. Voilà. Nous ne sommes producteurs de rien. Même si on commence. Je dis bien même si on commence. Les industries sont en train d'être ouvertes à Diamniadio à ce niveau-là. Donc, c'est aussi un aspect du métier qu'il faut prendre en compte. Et il serait bien que beaucoup de jeunes entrepreneurs comme vous se rapprochent de l'APIX pour voir justement les industries qui sont en train de se créer par rapport à ça et tous les métiers qui tournent autour de ça. Et justement, toutes les marques qui se créent pour proposer vos services. Proposer vos services comment? Aujourd'hui, vous êtes un jeune manager, vous avez une licence, vous êtes passionné de mode, vous n'avez pas encore les moyens pour créer votre propre marque. Allez proposer vos services à n'importe quelle marque de mode ici au Sénégal. Parce que ce que vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les créateurs de mode, les concepteurs, les propriétaires de marques vestimentaires ou d'accessoires font appel justement à des jeunes, se constituent en entreprise, sont en train de se formaliser. Donc aujourd'hui, ces métiers sont admis. Ils ont des comptables, ils ont des chargés de communication, ils ont des responsables. Ils ont des gens qui s'occupent de leur merchandising. Et quand on dit merchandising, c'est vraiment tout un concept de présentation visuelle d'un magasin, soit physique ou virtuel. Parce que maintenant, il y a un cours comme ça, tellement sur ça. Sur le merchandising visuel, on a justement un cours sur ça. Vous voyez, donc, je fais la promotion naturellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Thomas est la première école vraiment spécialisée dans ces domaines, mais d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, 14 ans en arrière, quand j'ai fait mon bac,
Quand je voulais aller faire une formation dans ces domaines, c'était 25 millions l'année. Et l'école, là, France. Donc, aujourd'hui, ces expériences sont des expériences qui ont été grappillées au fil des années, à travers différentes expériences professionnelles, à travers différentes recherches. Mais aujourd'hui, à Telma, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces compétences réunies sur un programme clair et bien défini qui vous permettent, après, dès la licence, d'être opérationnel et actif. Bon, est-ce que les designers du Sénégal ont accès aux industries de Djamnadio? Je ne veux pas citer de noms, mais je sais en tout cas qu'il y en a au moins trois dont je suis très proche qui ont justement cet accès aux industries de Djamnadio et qui y sont. Voilà. Mais justement, ces designers et créateurs-là n'ont pas encore justement fini la conceptualisation et la formation du personnel technique pour pouvoir justement parler au grand jour. Mais croyez-moi, ces designers ont justement l'accès à ces plateformes-là de Jamiajo, ces plateformes industrielles. Voilà. Donc, en fait, il faut comprendre que le marché du Sénégal est un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, beaucoup de marques vestimentaires européennes font leur confection directement ici au Sénégal. Je donne juste un indice. Allez à la Sogida, vous aurez l'atelier de confection industriel de semi-industriel de Pape Ndiaye, qui est un maître tailleur couturier qui a habillé toutes les têtes couronnées d'Europe et qui a ouvert une industrie ici au Sénégal à la Solida pour faire de la confection de pièces de mode, des pantalons, des costumes, des chemises, des cravates et autres, dont 80% de cette production est exportée vers l'Europe. Aujourd'hui, le Sénégal est en train d'avoir la même stratégie que le Maroc. Le Maroc a une stratégie industriel poussé dans l'artisanat et la mode qui lui a permis de faire venir toutes les grosses marques européennes, donc françaises, italiennes et même américaines au niveau du Maroc pour faire concevoir leurs produits vestimentaires. D'où le fait qu'on parle de délocalisation. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans cette lancée, déjà en travaillant en partenariat avec des marques italiennes, des marques nigérianes, parce que le Nigeria est un gros consommateur de costumes africains, et le Ghana aussi. Donc, c'est vraiment tout un développement qui est fait autour de ça. Et il faut prendre en compte, bien sûr, tous ces aspects. Donc, c'est un marché vaste, c'est un marché très ouvert, c'est un marché où, dès l'instant où vous avez des compétences en management, en création événementielle, où vous êtes inspiré, où que vous avez, comme beaucoup de héros le disent, j'ai démarré avec 15 000 francs ou 50 000 francs, vous pouvez vous lancer, soit en travaillant pour votre marque, soit en créant votre propre marque, ou en proposant vos services en termes de marketing, de communication, de management, de vente, de distribution à des créateurs de mode déjà établis. Voilà. C'est ça, en fait, le message qu'il faut retenir à travers ce live, ce webinaire. Merci, merci beaucoup, Monsieur Cissé. Donc vraiment, je vois, vous avez développé votre sujet avec beaucoup, beaucoup de passion. Hein, donc c'est, je vois également que c'est un sujet que vous comprenez très bien. Hein, vous avez vraiment bien expliqué en fait les angles. Je pense que hein, tous les créateurs, en tout cas les entrepreneurs de la mode qui sont hein, sur cette plateforme, je pense qu'ils vont vraiment bénéficier de vos conseils. Hein, donc, je ne sais pas si vous, s'il y a encore des questions en fait donc sur le chat, on peut essayer de regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que hein, Monsieur Cissé, c'est vraiment un spécialiste de ce sujet-là. Et c'est avec plaisir, je suis convaincu que c'est avec plaisir qu'il répondra à vos questions. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de félicitations. Merci à vous en tout cas. C'est un réel plaisir. Bon, mais en attendant, je fais une... Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je voulais juste savoir, en fait, aujourd'hui, est-ce que pour quelqu'un qui entreprend dans la mode, est-ce que vous conseillez de suite de lancer, par exemple, une page Facebook, Instagram, ou vous lui conseillerez plutôt d'attendre un tout petit peu, le temps que sa marque se développe, pour ensuite, dans un deuxième temps, hein, peut-être commencer à développer quelque chose au niveau des réseaux sociaux.
D'accord. Donc, ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Mais je vous donne, par exemple, le conseil que m'a donné un des plus grands passionnés de mode de ce pays, un des plus grands érudits de mode de ce pays, justement, Monsieur Wahab Touré, aussi professeur, intervenant à Telma. À Tout l'époque, à fait. il m'a dit une chose. Il faut savoir que dans n'importe quel métier, quelle que soit la branche que tu vas choisir, quel que soit le business que tu vas décider d'entreprendre, il faut avoir 80 à 90% de préparation pour 10% d'action et 100% de réussite. D'accord. Préparation est l'élément clé de tout business que vous allez poser. Les gourous de l'entrepreneuriat vont vous dire non, dès que vous avez l'idée, lancez-vous. Les peurs, ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Seuls les faibles ont un plan B. De toute façon, une erreur, toujours de l'expérience que vous allez acquérir. C'est vrai, une erreur, c'est toujours de l'expérience que vous allez acquérir. Il n'y a pas de plan B quand vous êtes un réel entrepreneur parce que vous allez au bout de votre choix. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous devez être prêt, avoir une vision claire, ne pas vous lancer comme ça dans le tas. Et pour être prêt, il faut de la préparation Tout à fait. derrière. Et vous préparer, c'est pouvoir répondre à n'importe quelle question qu'on vous posera sur votre produit, sur votre marque, sur votre métier, sur vos ambitions, sur vos objectifs, sur votre direction, sur l'image que vous donnez, sur vos collections, sur les matières, sur les tissus, sur votre style, sur le standing de vos produits, sur le service associé. Même la façon dont vos commerciaux ou vous-même répondrez aux commandes est très importante dans ce domaine-là de la mode. Même la façon dont vous répondrez au téléphone, même la façon dont vous présenterez le vêtement peut faire que vous alliez perdre ou gagner un client. C'est vrai, tout à fait. Oui, vous dites, il y a une dame qui dit, monsieur Momo Cissé dit, nous avons vraiment besoin d'écoles de mode ici au Sénégal qui regroupent tous les domaines design, management et production. Allez, à Telma. Pas plus simple. Parce que maintenant, ça existe depuis 5 ans d'ailleurs. Oui, tout à fait. Telma. Oh, il faut vraiment être préparé. Maintenant, quand vous vous préparez bien, que vous avez une feuille de route, que vous avez un planning clair, un plan d'action défini, là, vous verrez que le travail sera moins compliqué. Vous n'aurez pas forcément besoin de dire, ah, j'ai fait ma première collection, je me lance sur les réseaux. Non. Vous allez dire, j'ai fait ma première collection, j'ai défini toutes les étapes, je sais répondre à mes commandes. Là, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, parce que dès que vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous dites aux gens, hello, je suis là, je suis prêt. Quelle que soit votre demande, je peux y répondre. L'erreur à Tout à faire, fait. c'est vous lancer sur les réseaux sociaux, à ouvrir une page Facebook ou Instagram, alors que vous n'êtes pas capable de répondre à une commande, vous ne savez pas comment parler à un potentiel client, vous ne savez Tout pas à fait. convaincre, vous ne savez pas comment argumenter. Ce sont des erreurs à éviter. Ne vous lancez pas aussi sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas des compétences en community management, si vous ne savez pas donner valeur à votre contenu, si vous ne savez pas conseiller, si vous ne savez pas partager et créer une interaction. Parce que beaucoup Tout de à fait. sociaux vont être attachés à votre marque parce que vous allez leur apprendre des choses. Aujourd'hui, je suis une marque de costume. Si j'apprends à une femme comment nouer la cravate de son mari à travers mes différents lives, à travers mes différents posts, elle sera enclin à acheter mes cravates parce que je lui aurai appris quelque chose. C'est vrai. Un produit. Ils achètent un produit avec un service associé et une proximité avec la personne qui vend le produit ou la marque qui vend le produit. Ce qui vous amène à un autre aspect du management, c'est la gestion de la relation client. CRM, Customer Relationship Management. Aujourd'hui, les meilleures marques de vêtements, celles qui ont vraiment fidélisé leur clientèle. Moi, je vous donne un exemple très simple. Je suis un non-consommateur de Adidas, même si je trouve que c'est beau. Je suis un consommateur absolu de Nike. Je prends tout ce que Nike fait. Pourquoi? Parce que Nike a lancé un message fort à travers le nom, à travers son histoire, à travers son logo, mais à travers sa signature et son slogan, Just Do It. Yes, tu dois. Donc, c'est ce que je dis à tous les entrepreneurs, just do it, but do it well. C'est le plus C'est ça. important. Exact.
Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? On va regarder. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'avenir de la mode sénégalaise va se faire sur la vente en ligne? Bon, elle est déjà en train de se développer, hein, parce que malheureusement, nos créateurs de mode et bien sûr les clients de ces créateurs de mode aiment la facilité. Personne ne veut investir beaucoup d'argent. Donc, on commence par la solution de sécurité, c'est-à-dire on fait nos et on se dit, Internet, donc, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui fait une bonne signature d'une marque? Voilà, ça appelle aux compétences de conception et de création de marque, justement, parce que ceux qui sont spécialisés dans la création de marque pourront vous donner une signature qui correspond à votre histoire. Mais je termine juste la réponse à la question de Monsieur Ning et je reviens à la vôtre. Donc aujourd'hui, la vente en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier site de vente en ligne ici au Sénégal, si je ne me trompe, car je pense que j'ai travaillé dans la conception de ce site, était celui de Bachou Boutique, justement, représentant de Francesco Smalto et de Isaac et de beaucoup d'autres marques européennes ici au Sénégal. Je me souviens qu'en 2012, quand on a créé ce premier site de vente et on a mis en ligne les prix et qu'on a commencé la vente sur les réseaux sociaux, sachant que c'était des produits vestimentaires haut de gamme, certaines personnes ont été choquées par les prix. D'accord, carrément, Aujourd'hui, d'accord. avoir une paire de chaussures Boufflerie ou Oxford ou Brogue à 650 000 francs, ça peut choquer. Là où d'autres, actuellement, en vendent des copies de niveau 3 à 40 000 ou 25 000 francs. Donc, il faut comprendre que ça a beaucoup choqué. Mais aujourd'hui, ça s'est vulgarisé. Parce que les réseaux sociaux se sont développés. Aujourd'hui, les métiers du web aussi se sont développés au Sénégal. Nous avons beaucoup de personnes spécialisées dans la création de sites Internet, le design, la conception visuelle, qui maîtrisent les logiciels et autres pour le faire. Donc, c'est normal que la vente en ligne prenne le pas. Et nous sommes tous connectés avec nos smartphones. Donc, c'est Tout normal à fait. parce qu'aujourd'hui, Internet est un média à part entière. Donc, c'est normal que la vente en ligne se développe à ce point. Maintenant, pour répondre aux questions, oui, effectivement, une bonne signature. Voilà. Ce qui fait une bonne signature, c'est qu'elle soit courte, déjà, percutante, donc qu'elle ait un fort impact, et qu'elle soit identifiable à la marque. Une signature peut être visuelle, une signature peut être sonore. Une signature peut être, je veux dire, en termes de. Toujours visuel et sonore, hein, c'est ça. Mais si on rentre dans les détails, ça peut être une phrase, un mot, un bruit, un son, une couleur, un jingle, un flash, un effet de montage 3D ou autre chose. Donc c'est ça. Une signature en général visuelle et sonore, et il faut qu'elle soit adaptée à l'histoire ou à la marque. Voilà. Donc comment approcher les créateurs de mode? C'est très simple. Ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous envoyez un message qui percute. Ça fait appel aussi à d'autres compétences de votre part. Il faut que vous sachiez pitcher, c'est-à-dire savoir donner un message clair et concis en très peu de temps avec très peu de mots. Tout Parce à que fait. ces créateurs et designers n'ont pas le temps de lire Salut, ça va, comment vous allez? Il fait chaud à Dakar, et la famille, tout le monde va bien. Au bout de la troisième ligne, ils auront décroché. Donc, sachez avoir. Voilà, sachez lancer des messages clairs et précis, nets, qui montreront à la fois votre détermination, votre envie de partager vos connaissances et votre envie d'apprendre. Et voilà, ça poussera ces personnes-là à vous répondre et à interagir avec vous. Voilà. La mode sénégalaise a de l'avenir autant en Afrique qu'auprès de la diaspora africaine. Ça, c'est une affirmation et je vous l'accorde. La mode sénégalaise a réellement un impact considérable. Aujourd'hui, quand des créateurs africains arrivent au niveau d'habiller Beyoncé, quand je dis africain, je dis sénégalais, nous avons Dia, nous avons, comment ça s'appelle, comment il s'appelle, SRK, nous avons beaucoup d'autres marques aussi qui sont à l'international. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment saluer.
Dili. Ok, qu'est-ce que la mode? Ça, je l'avais expliqué au début de mon propos de façon succincte. Bref, mais tu pourras avoir le développement parce qu'on me fait signe que le temps est carrément over. Donc, tu pourras avoir une réponse beaucoup plus détaillée en recherchant le net. Malheureusement, j'ai eu des difficultés à me procurer de belles tenues auprès de trois créateurs okay, qui pourtant sont médiatisés. Ok, donc ça veut dire aujourd'hui derrière que quand vous avez ce genre de soucis, le plus important à faire, c'est déjà de donner vos impressions. Parce qu'il y a un service d'après-vente. Vous pouvez aujourd'hui ne pas être satisfait, mais dites-le-leur. Sinon, vous ne les aidez pas. Et un autre moyen aussi d'être satisfait par rapport à ces créateurs sénégalais-là, je ne sais pas si c'était en termes de produits ou en termes de services associés aux produits, mais il faut voir c'est lequel, dans lequel des deux aspects vous avez eu des problèmes. Maintenant, suivez les pages de mode, suivez les forums, suivez les professionnels qui parlent de ces marques, parce que vous avez beaucoup de blogs aujourd'hui qui parlent des marques sénégalaises, africaines, qui les développent, et ces blogs sont faits non seulement par des personnes étant au Sénégal, mais par des personnes étant à l'extérieur du pays. Donc, vous pourrez avoir une bonne visibilité de ce qui se fait réellement. Parce que c'est des professionnels qui vont parler de leur impression sur les produits. Voilà, une autre question. Voilà, bon, bien sûr, Monsieur Dicar, pour faire quelque chose, il faut le connaître. On a l'impression que les créateurs sénégalais se limitent à la clientèle sénégalaise. Or, nous autres aussi existons. Effectivement, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que il faut comprendre que le cœur de leur cible, parce qu'il le cœur de la cible de la plupart des créateurs sénégalais, c'est bien sûr les Sénégalais vivant ici au Sénégal. Mais derrière, certains qui ont un certain niveau de professionnalisme visent une clientèle sous d'autres horizons. Et là, les modèles, les coloris, les couleurs sont adaptées à ces personnes-là. Donc, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est aujourd'hui leur dire quels sont vos goûts, vos couleurs et justement votre zone d'application. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, nous avons une certaine pudeur vestimentaire, nous avons certains codes définis par nos cultures, alors que dans d'autres pays africains, ces codes ne s'appliquent pas. Donc, le Sénégal, en termes de mode, est un pays à part entière. Ça, je vous le dis. Dès que vous sortez du Sénégal, c'est une autre vision de la mode. Mais aujourd'hui, justement, cette identité vestimentaire, visuelle, cette identité mode du Sénégal et ce qui nous permet justement d'exporter notre savoir-faire un peu partout en Afrique et même dans le monde. Bon, moi je suis designer, mais il m'est très difficile de trouver une marque qui aurait besoin de designer. Pourrez-vous m'aider, s'il vous plaît? Rapprochez-vous de Mondia Moda, rapprochez-vous de Mado Marque, rapprochez-vous de comment ça s'appelle? Diaga Diao, rapprochez-vous de Sigil, rapprochez-vous. Ils en ont tous besoin. Ils en ont tous besoin. Mais derrière, c'est à vous de vous vendre. Faites votre propre marketing. Allez les rencontrer avec votre portfolio, montrez-leur ce que vous faites et proposez-leur vos services. Si vous n'arrivez pas à des créateurs reconnus qui prennent en charge de travailler avec vous et d'exploiter vos compétences, mais vendez-vous, créez votre page, diffusez vos croquis. Proposez justement vos services à toutes les personnes qui veulent entreprendre dans le domaine de la mode et qui n'ont pas les compétences que vous avez. Aujourd'hui, un Gordi Cissé qui ne sait pas dessiner, qui n'est pas designer de mode, mais qui a une idée vague de ce qu'il veut faire, va dire, ah, ok, je vais contacter Momo Cissé qui va me faire mes croquis. Je vais juste lui dire ce que j'ai dans la tête. Il va me dire, c'est telle couleur qui est adaptée, c'est telle couleur qui est tendance, c'est tel tissu qu'il faut et c'est tel design qui va être, qui se rapproche de ce que tu as en vue, et là, on pourra matcher les deux. Et si vous le faites, croyez-moi que vous aurez un fort impact. Parce que c'est pour ça qu'on parle d'entreprendre. Il faut être dans l'action et ne pas forcément vous dire, vu qu'ils ne me prennent pas et que je n'ai pas, moi, les moyens de me développer, je vais rester là ou bien je vais continuer à taper à leur porte. S'il vous plaît, allez au niveau de Telma, ils pourront vous mettre en contact avec des personnes qui seront adaptées à ça. Voilà. Voilà. Ah, voilà, il faut vivre au Sénégal pour pouvoir accéder à ces créateurs. Non, pas forcément, madame, parce que maintenant, tous ces créateurs-là ont justement des pages ouvertes à l'international et tout. Donc, croyez-moi, si vous leur envoyez un message,
Si vous leur envoyez un message, si vous leur parlez, ces personnes-là sont à même de vous suivre ou de vous orienter ou de vous conseiller ou de vous proposer des produits vestimentaires. Aujourd'hui, la plupart des grands créateurs travaillent avec la DHL. Ils sont capables de livrer dans plus de 200 pays dans le monde. Et j'en connais beaucoup d'ailleurs qui ont des partenariats exclusifs qui leur permettent de maintenir certains coûts. Je donne un exemple, la marque Kaifa, qui selon moi est l'une des marques les mieux organisées de ce pays. Voilà. Et ou bien même rapprochez-vous, voilà, je vois qu'il y a Yacine Jutta de la marque Jutta, qui a elle aussi au moins 10 ans d'expérience dans le métier, qui est là et qui assiste au live. Rapprochez-vous d'elle et elle pourra vous aider. Momo, rapprochez-vous d'elle parce que c'est une personne très professionnelle qui a fait des études dans ce domaine et qui est créatrice par passion, mais aussi par compétence et par conviction. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, monsieur Cissé. Hein, donc, on est vraiment très séduit par votre professionnalisme, hein, vraiment par votre connaissance hein, en profondeur de ce secteur. Vraiment, vous avez cité énormément de personnes que moi-même, je ne connaissais pas du tout. Vous avez cité énormément de structures et ça montre vraiment hein, votre passion, votre ancrage vraiment dans le secteur. Et je pense que le Sénégal peut compter vraiment pour vous, pour booster donc ce secteur-là. Et vraiment, on est très ravis hein, de vous avoir à Telma. J'échange plus souvent avec vos étudiants qui sont vraiment très, 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 très satisfaits hein, de ce que vous leur apportez au quotidien, hein, notamment sur le cours de l'histoire de la mode. Vraiment, et voilà. Donc, c'est vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance qu'on a, hein, qu'on travaille avec vous à Telma. Je pense qu'on va quand même conclure. Hein. Ça fait presque bientôt 2 heures qu'on est ensemble. Et ça montre tout simplement donc la passion de ce sujet-là. Comme vous dites, hein, je pense que c'est vous avez cité la passion. Nous aussi, à Telban, c'est la première ou des valeurs qui nous animent. C'est d'abord la passion. C'est tout ce qu'on dit également à nos étudiants. Et je vois qu'on se rejoint hein, sur beaucoup de choses, notamment sur ces valeurs-là. Donc, je voudrais juste rappeler que cette formation Management de la mode à Telma. Donc, c'est une formation en partenariat avec une école française qui s'appelle Mode Art International. Donc, c'est une formation de 3 ans, mais que certains aussi peuvent également faire avec ce qu'on appelle le statut d'auditeur libre, auditrice libre. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir à Telma se former pendant 10 mois ou pendant 2 ans ou pendant 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment un choix qu'on leur propose. Effectivement, donc là, je pense que vous avez touché un sujet qui est très sensible. Donc, c'est effectivement donc le sujet de la formation. Hein. Donc, quand je regarde en fait tout ce que vous avez développé, je pense que le soubassement de tout ça, c'est vraiment la formation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, à Telma, nous avons la chance d'avoir ce bachelor en management de la mode, où dès la première année, donc il y a des cours sur l'histoire de la mode, sur l'organisation des défilés de mode, sur les stratégies de marque. Je pense que vous avez beaucoup parlé de marques dans ce webinaire. Le textile, vous l'avez souligné, le stylisme, le dessin, les styles et produits, et également tout ce qui est gestion, marketing et communication, marketing de la mode, merchandising visuel, vous l'avez développé tout à l'heure, hein, les techniques rédactionnelles, ça aussi, je pense qu'on en a besoin. Vous avez évoqué tout ce qui est comptabilité, le droit, l'environnement aussi, le leadership, le développement personnel. Et effectivement, donc là, on se regroupe. Et moi, je dis tout le temps qu'avec les... Il y a aujourd'hui beaucoup d'écoles de mode hein, que vous avez soulignées. Et je pense qu'on est plus ou moins complémentaires, puisque ces écoles-là proposent plus hein, de la formation plutôt technique. Et à tellement, donc là, on va vous donner vraiment le côté managérial. Hein, donc, ce qui est fondamental, je pense, hein, pour booster votre marque. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, je pense que la mode sénégalaise a de l'avenir devant elle. En tout cas, je voudrais encore une fois vous remercier. Donc, Madame Diop était tout à l'heure là, voilà, mais je pense que j'étais tellement dans votre sujet que vous n'avez pas eu le temps de voir, en fait, quand elle est passée, vous dire bonjour. Voilà, donc je vous laisse conclure, Monsieur Cissé. Je vous remercie. Je remercie encore vraiment toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Et on est vraiment à votre disposition. Et Monsieur Cissé pourra, donc, lors de prochains webinaires, lors de prochains lives, développer davantage certains sujets voilà, qu'il a développés aujourd'hui.
Donc, Monsieur Cissé, je vous laisse conclure cette belle soirée que nous venons de passer tous ensemble. Voilà. Donc, déjà, je vous remercie, Thelma, parce que je pense que nous travaillons ensemble depuis maintenant 3 ans. Tout Et à fait. réel plaisir. Je remercie tous ces professionnels de la mode, tous ces passionnés de la mode qui sont restés avec nous. Tout à fait. Benlo, Yacine Juta, Jainaba, Momo et Madame Diop. Et vraiment, je remercie tout le monde d'ailleurs. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je remercie tout le monde. Et voilà. C'est bon. Il y a une personne qui vous demande d'enregistrer ce live. Oui, ça sera fait. Ça sera fait, Marocaine. Voilà. Et voilà, je vous dis juste que vivez votre passion, vivez vos rêves. La mode ne se limite pas aux vêtements, la mode ne se limite pas aux accessoires, la mode ne se limite pas à la parfumerie ou à la cosmétique ou autre chose. La mode, c'est un style de vie. Adoptez-le, vivez-le, acceptez-le pour qu'elle puisse vivre, en fait, en vous. Nous portons tous des vêtements. Nous portons tous des accessoires. Nous ne pouvons pas vivre en société sans ça. Mais des gens comme vous nous permettent de mieux comprendre pourquoi nous le faisons et nous permettent de le faire avec amour. Donc voilà, c'est mon mot de la fin. Merci à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup, M. Cissé. Merci à tout le monde. Et à très bientôt, en fait, pour un autre live sur Thelma. Voilà, merci. Bonne soirée, merci, au revoir.